ministre de l'Éducation nationale avec la formation professionnelle en Augustin Antoine, rencontré mardi 24 septembre 2024 là, ambassadeur brésilien en Haïti, Luis Fernando de Cavallo, avec représentant président du programme Nations Unies pour le développement dans Haïti, Xavier Michon, sous divers dossiers pour renforcer le système éducatif là. Rencontre s'est faite dans le local MENFPA, dans Delma 83. Dans l'occasion, responsable a insisté sur l'inauguration dans le prochain jour au centre de formation technique et professionnelle pour l'offrir au CAI dans le département sud. Il a parlé tout sur l'autre aspect coopération dans l'idée pour mettre campé secondaire technique dans l'expérimentation avec éducation économique et puis financière géniaux. Et de l'autre côté, responsable prend engagement pour renforcer la coopération pour capable accompagner les géniaux dans permettre de gagner un métier pour le travail et puis renforcer la capacité pour créer propre entreprise.